I'm traveling to the south of Niger. The heat is merciless today. It's 45 degrees Celsius outside, but a warm welcome awaits me. Niger has the world's highest number of births per woman, with an average of almost 7 children for every mother. In this particular village, it's even higher than that. Rural communities like these feature in scenarios described by universities hundreds of miles from here, predicting that the population of Niger will double over the next 15 years. Chef, run. Vous êtes le chef de village. Quoi? Inch'Allah. Vous pensez que c'est une bonne idée pour votre village d'avoir assez d'enfants? Ça me dit que mu a gare mu muna ga yana da kyau jama'a ta taru yanzu da jama'a ta taru nan da yawa a kaga mutane da yawa mais c'est pas trop dur pour donner le manger donner éducation eh wannan haka ne kuma wannan abu kaddara ce daga Allah da mu da dabbobin da ku da sauran dukkan mutane haka abincin namu yana wurin Allah. Et vous, vous-même, combien d'enfants vous avez? 14. 14. Et c'est fini maintenant? À quoi est-ce que Allah, Allah. C'est la fille là. Elle a beaucoup de bijoux et make-up. Ça veut dire quoi? Un mariage. Elle a déjà marié? Oui. Chez ta pote. Hein? Elle? Oui, il y a un autre. Elle a quel âge? Chez ta pote. Non, elle n'a pas 17 ans. Non, non, jamais. Chez ta pote. Jamais. Ja. 11, denk ik, hooguit. Misschien 12. Maar te verlegen om te antwoorden zo. The Sahara, Africa's great desert, is now Europe's most southern border, where it combats migration, terrorism, and overpopulation. But what do the people of the Sahara think of all this interference? And what can we learn from the people of the Great Desert? This is exactly the reason why the village is receiving distinguished visitors today. It's a group of theater makers who hope to convince the men and women of the village to take things a bit easier, with a view to those babies. Zikiri shine muka sa gaban mu muka dukuma da shi dare da rana ko da yanzu muna mauludi yanzu a nan yau so shi yau ba yau muna mauludi kawan an kama hegari yau wai mun sani ba fi cikin ganga ba ku ga ku za ku sanar da ku ga minti ko mun kawai waye ke ne magana ce ke bana biya kuri mun sani biya kuri mun sani ga minti ber ba fi kidi ba colère. Oui, ils sont d'accord pour qu'on passe la séance de sensibilisation, mais ils ne sont pas d'accord pour qu'on joue la musique. Parce que eux, c'est un village de marabouts et la musique est interdite là-bas. C'est haram. C'est haram. Il
Ils ont dit, bon, puisque vous n'allez pas jouer la musique, nous sommes d'accord pour commencer le geste de sensibilisation. Pour eux, tout ce qui est moderne, il y a derrière quelque chose de caché. Et que tous ceux qui proviennent des blancs, comme les médicaments, l'hôpital, l'école, tout ça, c'est des choses qui vont gâter les mœurs des enfants. Il y a beaucoup de journaux qui disent alors c'est une catastrophe qui nous attend. Est-ce qu'ils ont raison? C'est une catastrophe ici? Non, c'est pas une catastrophe. Moi, pour moi, la richesse de l'Afrique, est, parce que vous, selon la pensée occidentale, vous voyez deux choses. Il y a une, vous dites qu'il y a une interaction entre la population et l'économie. Et que pour jouer, il faut diminuer les enfants. Nous, ce n'est pas ça. Pour nous, les enfants, la première richesse, c'est l'homme. Il faut avoir beaucoup d'enfants pour essayer de lutter contre la calamité naturelle. Parce que quand vous avez 8 enfants, ce n'est pas sûr qu'à la fin, vous allez avoir 2 qui vont être vivants. Oui, mais quand ça, vous avez ça, que 2... Je comprends, mais, voilà. Mais comment je vais financer une université, une maison? L'Africain pense que demain, peut-être que demain appartient à Dieu. Demain, est-ce que nous, on peut aller demain? Nous, c'est le quotidien qui nous intéresse. Vous avez réglé le problème du quotidien, vous pensez à demain. Nous, ce n'est pas demain qui nous intéresse, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous prouve que d'ici 50-10 ans, il n'y aura pas une catastrophe naturelle qui va décimer toute la population? Qu'est-ce qui vous prouve que demain, il n'y aura pas des guerres civiles qui vont détruire la population? Qu'est-ce qui vous prouve? Non, nous, on ne fait pas des projections. This feels like the indomitable village in the books of Asterix and Obelix. They want nothing to do with interference from outsiders. If you want to know why that is, everybody points at the oldest and wisest men among them, the marabout. Vous pensez pas qu'il faut limiter le nombre des enfants parce qu'il y a trop dans votre village? Amo abinda muke abinda manya muka gada wannan karatun Qur'ani da kiyo da wannan kun tara mu akwari shine kade muka gada da noma shine kade muka gada nan su sai shi su suka bar mu shi muke yi. Oui, mais vous êtes le marabout. Vous avez beaucoup de pouvoir, donc vous pouvez dire il faut arrêter le nombre de enfants. Ah, yo mu wannan dai kade wannan ibada da aka suka dora mu kan da noma da kiyo. Wannan ana yi shine muke tayi kare akan shi shine muke yi. Est-ce que vous avez des enfants? Akwai yara. Akwai yara. Combien? Yara a samu kuma yi ko kika man 30. Mana masu rai da wanda ya rusa a sashi. Wanda ya sai ba sa yayi. Ana mutuwa, ana aihuwa. Ai ga gani? Mana aihuwa yake ana mutuwa. Mana life is like a lottery, the marabout seems to be telling me. A lot of children means security for the people here, because the state is unlikely to provide. Big families are the main provision for old age. On the edge of the Sahara, healthcare has improved so much in recent years that most children now survive. But the birth rate hasn't changed. You could regard this fast population growth as proof of a better life here, an African success story. But in Europe, they scare that the growth in population will mean more immigrants. The statistics contradict that fear, however. The population of Niger is growing, but immigration numbers are not. They'd rather stay put. And yet millions of euros are sent to Africa every year, officially in order to improve healthcare, but also in secret hopes of curbing that population growth.
I'm not sure what to think of this interference. Would I allow people from other continents to come and tell me how I should behave in the bedroom? I don't think so. Qu'est-ce que vous-même pensez? Est-ce qu'il faut arrêter l'explosion de population ici? Non, moi je ne suis pas pour. Non? Moi je ne suis, je suis pour peut-être la limitation des naissances, mais là aussi en cas de difficulté. Mais on n'est pas en difficulté. Vous voulez faire croire que nous sommes en difficulté. Hmm. Nous ne sommes pas en difficulté. C'est vous. La difficulté, c'est dans votre tête. Non, mais c'est les Européens pensent que dans 20-30 ans, il y aurait des milliards d'Africains. Ils vont tous venir. Les Européens, ils ont peur. On va venir nombreux, on va venir les envahir. Ça, ça va arriver. C'est vous qui êtes en train de nous dire qu'il faut bien mieux vivre chez vous là-bas que chez nous. Donc vous nous apprenez à ne pas aimer chez nous et à aimer chez vous. Enfin, dans les journaux, dans la littérature, dans quoi on montre, l'Europe c'est l'Eldorado, l'Europe c'est la richesse, l'Europe c'est le bien-être. Vous faites toujours la promotion, la publicité de l'Europe. Et chez nous, tout est mauvais, chez vous c'est bon. Mais tu viens me dire que c'est pas bon, les enfants c'est pas bon. Bon, j'arrête et puis je reste. Et je fais quoi? Je vais aller chez toi. Parce que je suis devenu comme toi. Vous voulez obligatoirement faire la planétisation, on dit quoi, la mondialisation. Vous voulez que le pauvre africain de la brousse soit comme l'européen qui est là-bas. Vous voulez qu'on ait les mêmes mentalités, vous voulez qu'on ait les mêmes visions. Non, il faut accepter la différence. La différence, c'est ça qui fait l'humanité. C'est ça qui fait l'être humain. Maker Abdullahi invites me to lunch with his family. It turns out to be quite a bigger gathering than I had expected. Ah, Abdullahi. Au revoir. Bon arrivé. Bonjour, ça va? Merci. Ça va bien, ça va? Oui, finalement. Ah, finalement, tu es chez moi. Là, c'est la chambre de ma première femme, qui est enceinte. Là-bas, c'est la chambre de ma deuxième femme. Ici, c'est la chambre de ma troisième femme. D'accord. Ici, celle-là, elle a 7 enfants. L'autre, elle a 3 enfants. Celle-là, elle a 2 enfants. Et tout ça, c'est moi le père, le grand père. Vous êtes quoi, 14, quoi? Pas 14, nous sommes 10. Hein? 10. 10, voilà. 10. C'est 10, non? C'est combien? On dépasse 10. C'est 11, c'est 11. Il faut compter, va. Yeah. Nous sommes au nombre de 11. Ici, yeah. 7, elle est yeah. La 3, elle est la 2. Vous êtes combien ici? C'est pas compté. Nous sommes de même père, non? Oui. Nous sommes au nombre de 10. Quel âge tu as? 23 ans. Et tu vis encore avec ton papa? Bien sûr. Ça veut dire que tu n'es pas déjà marié? Oui. Ah oui? Mais je ne savais pas que c'est possible au Niger. Pourtant, c'est possible. Ah, oui? Vous en avez la preuve. Oui, oui. Tu as la preuve. Et toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 21 ans. Bon, bientôt 22 ans. 22. Et marié? Non. Non? Et est-ce que vous avez déjà eu de propositions? Non, pas encore. Non? Pas encore. Beaucoup des hommes nous demandent un mariage, mais c'est nous qui refusons. Et tu vas refuser? Pourquoi? Parce que je me disais que je devais au minimum avoir ma licence d'abord avant de m'engager. Tu es à l'université? Oui, études supérieures, oui. Et tu n'es pas là en ce moment? Où ça? Là-bas? Mm-hmm. Parce que nous sommes en grève. En grève? Mm-hmm. Les enfants de Niger se révoltent? Oui, bien sûr. Parce c'est que... ça? Mm-hmm. Bien sûr.
Young people are now demanding the rights they have read about in their school books. Strikes have been held in Niger for weeks now, calling for the government to fulfill its promises and offer the people a better future. Alors, c'est quoi avec les étudiants ici à Zenia? Pourquoi ils ne manifestent pas? Pourquoi ils vont prier? Non, ils ne manifestent pas parce qu'ils n'ont pas ce droit-là de manifester. Et le gouvernement ne les a pas autorisés, c'est pour cela. Ouais. Qui va gagner cette compétition? Je peux dire que eux, hein, parce qu'eux, ils ont demandé à Dieu. Et tant qu'on dit Dieu, c'est sans dialogue. L'éducation ne l'importe pas. Lui, sa politique, c'est une politique étrangère. Il s'en fiche avec les citoyens. Donc, vous voyez, dans ce contexte, vraiment, le Nigérien ne peut qu'implorer le bon Dieu, quoi. La situation s'est agrandie, d'ailleurs. Et pour preuve, il y a 245 scolaires qui sont incarcérés actuellement dans des différentes prisons. Ouais, ouais. Si on n'arrive pas à faire quelque chose pour cette jeunesse aujourd'hui, ça risquerait dans l'avenir de compromettre la situation. Ça, c'est une situation, ça, c'est clair. Indice de développement humain au Niger, nous sommes derniers de la planète. C'est très dangereux. Comment se fait-il qu'un pays qui produit de l'uranium, hein, du charbon, de l'or, du pétrole, actuellement, la malnutrition est rehaussée dans ce pays-là. Le régime en place, c'est eux nos ennemis. Ils sont en train de combattre la population. Et vous n'avez pas peur de le dire? Pourquoi? C'est pas ça? On va me tuer? Même si on va me tuer, moi je vais le dire. Moi, j'ai pas peur. I travel on to Agadez, for many centuries the predominant crossroads for travelers in the Sahara, until Europe put a stop to that. Is traveling along the Sahara still possible? If you want to cross the great desert in this day and age, it's not only the advancing jihadist groups that pose a threat, there's also the European government leaders who would love to build a wall in the sand to stop any Sahara traveler from coming up north and to make the Sahara impassable and travel impossible. Est-ce que bah comment au gros? Tu vas gagner combien de temps? Ça va ni man. These are the 4x4 vehicles in which the drivers of Agadez used to take the migrants from all over West Africa to the borders of neighboring Libya and Algeria. They had 7 years of prosperity here and made a fortune driving all those migrants to Libya and onto Europe. But all that ended when Brussels pressed the government of Niger to block the routes in exchange for millions of euros. Thousands of vehicles were confiscated, an entire industry ground to a halt. Voilà, hein? Voilà. 4008. 4008. C'est ça. Ça. C'est pour lui, les voitures. Oui. Eh, non. Tout est la tine de Béraïna d'or. Tout est la tine de Béraïna d'or. C'est 2016. Il a fait 4000 km. Il a payé son véhicule pour transporter les migrants, pour aller à Libye chercher ce qu'il va manger. Mmh. Aujourd'hui, il a, sa voiture est là et encore on dit qu'il est criminel. Il faut dire à l'Union européenne. Mmh. Hein, de nous donner nos véhicules parce que c'est à cause d'eux que nos véhicules là sont là. C'est l'Union européenne. Vous avez une voiture ici aussi?
J'ai deux voitures ici. Oui, est-ce que je peux le voir? Non, moi je ne peux pas te montrer parce que quand la voiture a été arrêtée, moi j'ai dit que ce n'est pas pour moi. Tu vois, donc je ne peux pas te montrer. On va y aller qui va. Agadez is the crossroads of West Africa, the final stop before the Sahara. For many centuries, the transport business offered golden opportunities. First, it was salt, gold, and slaves. And more recently, it were migrants on their way to Europe. Today, Agadez is only a shadow of its former self, the smuggling capital it used to be for so long. Because of the new laws that prohibit the transport of migrants, more than 6,000 people lost their jobs. Smugglers, recruiters, they all had to start looking for a different line of work. Et vous êtes donc le directeur de l'équipe ou quoi? Moi je suis le président de l'équipe quoi. Donc avant j'ai gagné beaucoup de l'argent dans l'affaire de migration, j'ai investi beaucoup. Ouais. Mais maintenant, j'ai créé l'équipe, donc maintenant comme il y a la loi, donc c'est obligé de changer l'activité quoi, voilà. Vous êtes comme Silvio Berlusconi en voilà, Italie. Voilà, oui, c'est ça. Silvio Berlusconi d'Agadez. Attachi, vous avez un peu de mal. Attachi, vous avez un peu de mal. Attachi, vous avez un peu de mal. Oh, vous êtes strict, hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Et votre équipe, ce sont tous les Nigériens, ce sont tous non, les Dagadès? Non, ce n'est pas tous les Dagadès. Il y a les migrants dedans, il y a les gens du Nigeria, de Côte d'Ivoire. Il y a un migrant, hein? Lui, là, c'est un immigrant, le numéro 12. Ici? Pour le 12. Uh-huh. Le numéro 12 et? Avec lui. Oui. Le 3. Le voilà. Le 3 et le 12. Le libéraux, voilà. Si l'argent est fini avec les migrants, si le passage est fini, c'est pas difficile à financer un club de football. C'est pas facile. Mais avant, je payais les migrants à 100 000 quand j'ai fait les activités de migration. Uh-huh. Donc maintenant, comme il n'y a plus de l'affaire de migration, les prix est baissé. Maintenant, je paye 50 000 francs. C'est fini? Non, ça c'est fini maintenant. Moi, pour moi, l'affaire de migration, c'est fini pour moi. Seulement le football? Oui, je vais jouer le football. Ça. Rimka! Hey, Rimka! 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 Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Agadez has become a camp for the thousands of migrants who were sent back from neighboring countries like Libya and Algeria. It's now a halfway house of broken dreams. This is where the journey ends and the road home begins. These are the stowaways of the Sahara. Every one of these migrants here was picked up in the desert by aid workers after they were deported, many of them by force, from neighboring Algeria. But those who accept this help also consent to a forced return to their home country. This is an offer you are not allowed to refuse.
On était en Algérie et voilà, un jour, un beau matin, les Algériens sont venus nous trouver dans les sentiers. Les policiers? Oui, les policiers. Ils nous ont demandé les papiers. On dit qu'on n'a pas de papiers. Ils nous ont attrapés, on est parti à la police. Ils nous ont pris des photos. Après, ils nous ont mis dans les bus sans nos bagages. On a tout laissé, ils ont pris nos téléphones et on avait de l'argent. Moi, j'avais plus de 200 000 dinars sur moi. Ils nous ont envoyés jusqu'au plein désert. On n'avait rien, ils ne nous ont pas donné de l'eau ni rien. On nous a laissé dans le désert comme ça. Ils étaient arrêtés avec les armes parce qu'en cas, ils disaient celui qui court ou bien celui qui essaie de faire quelque chose, ils vont tirer sur lui. On voit que les Algériens, c'est des racistes, ils n'aiment pas la peau noire. Pour nous appeler, il dit black ou bien négro. C'est où que tu voulais aller? Je voulais aller en Angleterre. En Angleterre? Mon souhait, oui. Tu vas revenir en Guinée? Oui, on va rentrer maintenant. C'est la seule voie maintenant. C'est la seule voie parce que si tu te dis encore de retourner dans le désert pour essayer de monter jusqu'en Algérie, tu ne peux pas le faire, mon frère. Je préfère maintenant me retourner, franchement. Tu as quel âge? J'ai 14 ans. 14 ans? Et tu as voyagé en Algérie aussi? Oui, j'ai voyagé en Algérie. Toi-même? Oui. Toi-même? Oui. Tout seul? Oui. Mais c'est dangereux, non? Non. Oui, c'est dangereux, mais j'ai pas dit pour passer seulement, pour pas être en Europe. Parce qu'il n'y a pas de travail chez nous. Et qu'est-ce que tu vas faire? Non, rien de tout ça pour les aider pour rentrer dans le pays. Inch'Allah, je vais reprendre l'arbre, c'est pas fini. Tu vas réessayer? Inch'Allah, je vais reprendre l'arbre quand même. Il me faut quand même de l'argent. Moi, j'ai envie d'aller en Europe. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Moi, je suis sportif. J'ai envie d'aller chez mon frère en Europe. Ah, où il est? Lui, il est à Paris. On m'a vendu à Tamara 7. Ah. Vendu? Ah oui. Comment? On m'a vendu. Trafic. À 150 euros. Les Touaregs. Ouais. Ils m'ont vendu chez mon frère. Ouais. Comme un esclave. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il a fait avec toi? Ah, vous avez vu? On m'a dit d'appeler. On m'a envoyé l'argent, on m'a dit. J'ai appelé, on m'a envoyé l'argent. Mon frère, pardon, attends, je vais parler. Il faut aller au Togo. Je n'ai déjà de la télé qui sort. C'est bon, il faut partir au Togo. C'est bon? Ouais. C'est bon? Que ça ne dépend pas de que ça dépend de nous, ça dépend de nos présidents, que ce sont nos présidents qui ont décidé de nous faire ramener chez nous. Donc c'est ça. Si chez nous, si ça ne marche pas, on est obligé de. Parce que tu ne peux pas rester, on ne peut pas rester sans rien faire. Allez, tu dois bien prendre le risque de vivre ou de mourir, ça ce n'est pas un problème. On sait que c'est un choix. Mais ma seule chose, c'était de continuer à voir où j'irai. Pour ma famille, j'ai perdu. Oui, mon voyage n'a pas réussi. Thank you.
I run into an old acquaintance. 2 years ago, I first met Agali as one of the most successful smugglers of Agadez. I'm keen to find out how he's doing now. C'est quoi on a qui là? Ça c'est des moments des passagers qui ont écrit ces choses là. D'autres c'est leurs souvenirs pour que leurs frères quand ils passent ici. Partout c'est des écritures. Partout. Oh, j'ai même essayé de passer. Ça veut dire que tu as arrêté tout? Ouais, j'ai arrêté tout. Tu penses que tu as passé combien de migrants dans ta vie? C'est des centaines. C'est beaucoup. Et tu te souviens des gens? Tu penses à eux encore? Bon, sur le WhatsApp comme ça ou bien Facebook, on s'échange. Messages à d'autres sont russes, d'autres en France, d'autres en Italie, d'autres en Espagne, en Europe quand même. Tout le monde a survécu? Pas tout. Pas tout. J'ai demandé même, d'après les autres, qui sont vivants. Il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont décédés. Mais c'est au niveau des bateaux. Mais tu sens que ça, leur vie, c'est ta responsabilité ou ça arrête ici? Non. J'ai pas cette sensation. Parce que quand ils viennent ici, je leur dis que Sahara, voilà. Ils savent bien ce qui se passe. C'est leur choix. C'est leur choix. Crisis meeting in Agadez. The former smugglers get together to complain about their new existence. The money that was promised by the European Union, intended to prevent upheaval, has reached only very few people here. The smugglers of Agadez will have to reinvent themselves, while many of them wait in vain for the money from Brussels meant to compensate the loss of their jobs. Sai muka bar yara ga motoci dan kuna gari su ga jama'a ga tun zabe ga sunan wanga jama'a ga mazan hammatan ga su can duka wannan mutane tunda wannan mu da yan taka kowa ya san mu ne yan taka persona da dawul ko far da bare giye amma a cikin wa'anda aka ba yan taka wallahi a cikin mutum 50 ba a ba mutum uku ba yanzu misali cikin komin 15 da aka gama da agaris wanda aka ce yan taka ne Vous dites que l'argent européen a été volé. Non, non, elle n'a pas aimé. Oui, ça a été volé. On ne peut pas dire que ça a été volé. Ce qui est volé, ce qui s'est volé, c'est parti. Nous ne sommes pas en colère avec l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, elle a promis de donner et elle a donné. On a suivi dans les télés, on a suivi à l'information et elle a donné. Mais ce qui maintenant, ce qu'ils ont donné maintenant, c'est arrivé maintenant dans la région d'Agadez, maintenant c'est perdu. Mais c'est où l'argent? On dit que mais les gens à qui ils donnent là, ils ont donné à qui ils connaissent. Leurs enfants, leurs proches, c'est à eux qu'ils ont donné. Ok,
Voilà, on a du kit. Pourquoi? Pour faire restaurant. Pour faire restaurant? Oui, oui. Voilà, pour... il y a les gaz. Les gaz. Uh-huh. A, vous voyez, il y a les maçonneries, il y a l'huile, il y a l'huile. Mais pour un restaurant? Oui, pour le restaurant. Il faut des tables, non? Oui, il faut des tables, il faut des assiettes, il faut les cuillères. Ça manque beaucoup de choses. Écoute, c'est sérieux de devenir un propriétaire de restaurant? Oui, c'est sérieux. J'ai envie de faire ça. Voilà. Voilà les canivas. C'est quoi ça? Oui, ça c'est les canivas. Les canivas, c'est ça. Uh-huh. Vous voyez? Et voilà, c'est ça les démons. Donc, c'est eux qui ont donné ça, nous a donné ça, pour que nous, on va faire le dossier, on va remplir ce que tu vas faire. Par exemple, moi, j'ai dit, je vais faire restauration. Il y a des gens qui ont demandé, ils vont faire boutique. Il y a des gens qui vont faire taxi, moto, les taxis. J'ai entendu que même des gens qui n'étaient pas des passeurs du tout, qui n'ont rien à faire avec la migration, ont reçu un peu de l'argent. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Ça, c'est pas vous vrai. Avez fait toute cette application pour beaucoup de passeurs. Beaucoup de passeurs. Et aujourd'hui, c'est 300 km. Et maintenant, ils ont rien. Donc ils sont en colère avec nous. Ils sont en colère avec nous. Parce qu'ils n'ont pas eu de financement. Ils ont raison. Parce qu'ils ont... vous payé pour faire ça? Non, ils ont... Pour faire les applications? Non, pour faire les applications, ils payent. Pour faire le dossier, il faut payer combien? L'argent. Ça fait combien? Ils payent 10 000 pour aller voir les techniciens. Même moi, j'ai payé 10 000 pour faire le dossier. Il a son bureau, il a son ordinateur, il a ses matériels. Tu vas venir l'amener dans les clés pour l'expliquer. Voilà le projet, tant, comme ça. C'est quoi? C'est monsieur le directeur maintenant? Hein? Je suis le directeur de mon entreprise. Donc, tu as acheté l'ordinateur toi-même ou quoi? Non. Je suis venu, j'ai monté le dossier d'une agence immobilière, intermédiaire en immobilier. Donc, l'ordinateur, c'est merci de l'Union européenne? Oui. Mais remercier, c'est trop dit. Mais c'est très marrant parce que... Non, c'est trop dit. Et c'est un budget de 1 500 000. Uh-huh. Plutôt, 1 400 000. Moi, mon financement, c'est 1 420 000. Quelqu'un qui touche à 700 000 par lundi, chaque lundi. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, continue. C'est peu. Avec l'agence, là, je n'ai rien gagné. C'est ici un passeur, là. Ici, on dit... C'est pas quelqu'un que tu vas faire confiance, d'abord. J'ai pas assez de clients. Les clients n'ont pas confiance en moi, d'autres. Mais quand même, j'ai créé une autre opportunité ici. Ouais, j'ai monté beaucoup de dossiers, tu sais. Remplir le dossier pour eux. Oui, remplir les canevas. Et par contre, il m'a donné de l'argent pour faire monter. C'est jamais gratuit avec toi. Rien n'est gratuit avec moi. I travel on to Agadez, for many centuries the predominant crossroads for travelers in the Sahara, until Europe put a stop to that. Is traveling along the Sahara still possible? If you want to cross the great desert in this day and age,
It's not only the advancing jihadist groups that pose a threat, there's also the European government leaders who would love to build a wall in the sand to stop any Sahara traveler from coming up north and to make the Sahara impassable and travel impossible. Mais seulement comme c'est maman toujours il a une forte amour de son fils, chaque fois quand on parle, on les raconte de quelque chose, il va avoir peur de son fils. Autre question, les gens, ils sont en colère avec un homme handicapé. Un homme handicapé? Oui. Ah voilà, parce que c'est le président du comité de la mairie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est lui qui a été désigné comme le président du comité, désigné par la commune urbaine d'Agadez. Mais pourquoi on dit qu'il a trahi? Il a trahi parce que maintenant, lorsqu'on a venu pour distribuer des gens, et aux gens de 1 500 000 proposés, il a choisi parmi ses entourages. C'est ça, là où il pose le problème. 6 000 personnes qui veulent 6 100... la compensation, merci. Le projet, mais seulement 40 personnes. Il y a 41 personnes pour la première tranche qui ont eu un projet. Mais parmi les 41 aussi, il y a 3 personnes qui sont des passages. Hein. Qui sont des propres passeurs qui sont dans ce travail de l'immigration. Et les autres? Les autres, je ne sais pas, c'est les familles et les amis. Parce que c'est là, comme ils les appelaient ici au Niger, FAC en français. Famille, amis et connaissances. Corruption. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de chômeurs ici à Agadez. Ouais. Si tu n'as pas assez de travail, tu peux aller porter à ta bulle pour chercher de l'or. Si tu as eu la chance, tu gagnes. Si tu n'as pas la chance, tu reviens. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est la seule voie. C'est la seule voie maintenant. C'est la seule voie au plein des Sahara. Et le reste, c'est fermé. Tout bloqué. In this part of the Sahara, the makeable world of European bureaucrats clashes with the boundless freedom of the desert. This is the domain of hucksters and hagglers, who always find a way to survive in such harsh circumstances. A colleague once told me, traveling is only real traveling if you don't know where you'll sleep that night. Now we've left the world of paved street and hotels far behind us. C'est une grande ville, parce qu'il y a une grande quantité de paysans ici. Ah oui? Et qui vivent encore ici. Avant, les années passées, qui n'ont pas de travaux, mais maintenant, au début de l'or, là, chacun vient ici pour se débrouiller. Ils viennent d'où? De quel pays? Ils viennent des Maliens, du Nigeria, de Libye, de l'Algérie, du Tchad, du Soudan. Donc ici, c'est un village d'ex-migrants? Et ex-passeurs, voilà, oui, ils sont tous ici. Ils sont tous ici. Ouais. Non, ouais. Ce sont les grands trous, hein. Oh, c'est les grands trous, hein. Ici là, ça dépasse à 30 ou 40 mètres comme ça. De profondeur, oui. Pour un gars, il est connu que c'est les centres de l'homme.
c'est ça. Ma frère est en train de faire ça comme ça. Un jour un gars, un jour un père, c'est comme ça. Vous préférez aller à Libye? Non, c'est aller à Libye là encore, c'est pas bon. Ah non, s'il y a trop de problèmes là-bas, aller au Libye là. C'est pour cela qu'on reste ici là maintenant, on fait ça là, on avec leur famille, avec les enfants, on débrouille. C'est ça. Et l'or, ça c'est le l'or. Oui. Une roche comme ça, ça fait combien de l'or? Ça dépasse même pas 1000 francs. 1000 francs? 1000 francs? Oui. Les bichettes, ça dépasse 1000 francs, 1500. Ça c'est rien. Working in the gold mines of Tabalot is like a Sisyphean task. I can't imagine that the smugglers who used to make thousands of euros a week would be willing to do this grueling work. Not only does it pay poorly, it's also beneath their dignity. Back in Agadez, I'm astonished to see a recruiter at the bus station. Busily looking for migrants. But the road is not good, huh? The water. Don't break the road, man. No, je pars, hein? Ah? Ouais, si j'ai le client, moi je pars quand même. Si j'ai le client, ouais. Il suffit de connaître le terrain, comment éviter les lieux où il y a les militaires, où il y a les polices. Tu connais, contourner ça, et toujours, et tu peux voyager à la Libye, aller-retour, il n'y a pas de problème. Et ça veut dire que même les policiers qui sont entraînés par l'Europe, ils ne font pas toujours ce que l'Europe veut. Non, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas contrôler tous les déserts pour regarder les déserts, parce que le désert est vaste. Il y a les bachiches toujours. Ah, et c'est toujours comme ça. Ouais. Il y a les cas comme ça. Si tu donnes les bachiches, c'est comme si on ne t'a pas vu, tu ne nous as pas vu. Donc, tu me dis que rien n'a changé. Non, mais qu'est-ce que ça va changer? Rien n'a changé, moi, je trouve. Ça c'est les gens. Normal. Ouais, même lundi, demain soir, si tu as le temps, tu viens à 15h ou bien à 16h. Justement, je vais te montrer comment les gens ils partent. Oui, tu peux me montrer? Bien sûr. Could it be true that the transport of migrants isn't closed down after all? Despite what most smugglers here have been telling me. Today is Monday, which has always been the day of departure. It wasn't very long time ago that you could see the 4x4 vehicles jam-packed with migrants driving through the streets of Agadez. But I'm not seeing any just yet. But then suddenly, the town begins to move. Ça va? Vous êtes d'où? Vous êtes d'où? À Libye. Vous allez à Libye? Oui. Vous êtes de quel pays? Nigérien. Nigérien? Et vous? Je suis tchadien. Tchadien? C'est echt ongelooflijk. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Mais l'Union européenne a donné des centaines de millions d'euros pour arrêter la migration. Pour arrêter, ça c'est une chose, ça c'est comme un théâtre, je te comprends. Ça c'est un théâtre même.